J'ai passé une commande sur le site Cocorico Cosmétique. C'est un tout nouveau site. J'ai vu qu'il s'était vraiment ouvert depuis pas très longtemps. Donc c'est un site de beauté, hygiène éthique français. Donc il propose tous des marques naturelles, artisanales que français, d'où le nom Cocorico. Et j'ai vraiment trouvé leur site plein de fraîcheur en fait. Leur communication est top. La manière dont ils s'adressent à leurs consommateurs, c'est vraiment génial. Si jamais un jour ils cherchent un community manager, je suis là. Du coup, ouais, j'ai passé commande. C'est Elodie de la chaîne Je parle trop qui m'avait parlé de ce site. Et puis, il proposait des marques dont elle a déjà parlé sur sa chaîne et j'avais envie de tester. Donc, c'était le moment. Donc, j'ai passé commande. Je l'ai reçue hier. Donc, j'ai pas encore testé les produits. Je pense que ça sera sur une autre vidéo, du coup, un update un peu plus tard. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé. Donc, le colis se présente comme ça. Donc ça, j'imagine que ça, c'est des... Je faisais des trucs à base de maïs ou un truc comme ça. Je sais plus exactement ce qu'ils disent, mais ça doit pas être polluant. Alors j'ai pris un baume onctueux de la marque Clémence et Vivien. Donc c'est au lait d'amande, nourrissant et réparateur. J'ai vu qu'on pouvait le mettre partout. Donc corps, visage, cheveux. Ouais, c'est ça. Donc c'est à base de karité et de huile de sésame, tournesol, abricot, avocat et cartame. Je ne sais pas ce que c'est le cartame. Composition vegan. Et la boîte, c'est recyclable à l'infini. C'est plutôt pas mal. Ah ouais. Je sais pas quoi, l'odeur me fait penser. J'aime beaucoup le lait d'amande. On aime bien les gels douche comme ça au lait d'amande. Donc il y en a quand même, c'est une boîte quand même assez importante. C'est encore le genre de produit qu'on achète et qui dure en fait longtemps. Même si on l'utilise sur toutes les parties du corps, je pense que ça doit durer quand même assez longtemps. Donc il y a combien? Il y a 150 ml. C'est une boîte plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de tester, en tout cas elles sont très bonnes. Et déjà, juste en mettant sur ma main, j'aime beaucoup la texture. Donc on verra bien, mais voilà, premier produit. Alors toujours chez Clémence et Vivien, j'ai pris également un déodorant. Parfum vanille, peau sensible. Alors c'est à base de poudre minérale qui neutralise les bactéries responsables des odeurs pour un déodorant efficace. C'est une version sans huile essentielle qui est adaptée aux peaux sensibles. Donc, moi j'ai une peau très sensible. Pour les déodorants, j'ai testé plusieurs choses. J'ai pas encore tout à fait trouvé ce qui me convenait. Après je sais que la peau doit vraiment s'habituer à ce genre de produit, ça met du temps. Mais du coup, je vais tester celui-là. Alors pareil, le contenant, il y en a beaucoup dedans. Il est 50 grammes. Et moi, ce que j'avais testé, c'est vraiment des trucs beaucoup plus petits. C'est pas une grande odeur, tant mieux. Franchement, il y a vraiment beaucoup de produits dedans, donc ça c'est pareil, ça va durer hyper longtemps.
en espérant que ça fonctionne bien sur moi. J'ai pas de doute sur l'efficacité du produit, ça dépend vraiment de la peau de chacun en fait. On verra bien si sur moi ça fonctionne. Et puis voilà, c'est toujours refabriqué en France. Est-ce que j'ai pris autre chose de leur gamme? Je crois que oui, ouais. Toujours donc chez Clémence et Vivien, j'ai pris un savon en fait, un savon sur la... Alors j'ai pris peau sensible, donc c'est pour les enfants et bébés, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas sur moi non plus, hein. De toute façon c'est pour se laver. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir vraiment remplacer les gels douche. Il n'a pas d'odeur. Et donc celui-ci, en ingrédients, il y a de l'huile de karité, de coco, d'olive, de tournesol et de ricin. Donc c'est toujours 100% vegan, façonné à la main, ingrédients d'origine naturelle. Et bien sûr, fabriqué en France. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas, pas d'huile essentielle, je crois. Je sais plus, il me semble qu'il n'y a pas d'huile essentielle du coup dans celui-ci. Donc voilà, bah là c'est un savon pour le corps. Hein. Enfin, on peut aussi l'utiliser sur le visage. Mais voilà, moi je l'ai pris surtout pour le corps. Alors ensuite j'ai acheté. Alors là c'est du coup un produit que Elodie avait présenté sur sa chaîne, donc je l'ai prise pour tester. C'est l'huile de noisette de la marque Oden. Donc c'est une huile pour le visage, peau mixte. J'avais vu que ça laissait pas du coup la peau grasse, ce qui est plutôt pas mal pour une huile. Donc c'est aussi donc une marque française. Produit vegan, ingrédients uniquement français. Voilà, c'est une huile de soin idéale pour nourrir et purifier les peaux mixtes à grâce à imperfection. C'est vrai que moi en ce moment j'ai quelques boutons. Surtout, en fait c'est à cause du masque chirurgical qu'on met, les boutons apparaissent au niveau où il y a le masque quoi. Donc bon. Je sais pas, ça va pas être un produit miracle pour ça, parce que de toute façon, les masques, je sais pas pour combien de temps on en a encore. Mais j'avais envie de tester, j'étais complètement influencée. Mais là, pour le coup, influence plutôt positive, parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'éthique, de naturel, de français. C'est important aussi, ça. Ça sent un peu la noisette, ouais. Donc voilà, à tester. Donc pareil, à voir si ça convient à ma peau. C'est toujours le problème après, c'est voir. Chaque peau est différente, voir si ça fonctionne ou pas. Et j'ai pris. Ah oui. Donc là, j'ai pris un nouveau shampoing solide, celui que j'avais testé la dernière fois, ne convenait pas du tout à ma nature de cheveux. En fait, il rendait mes cheveux. Je ressortais avec les cheveux gras, donc c'était un peu gênant après avoir lavé ses cheveux qui sont l'air encore sales. Donc j'ai arrêté de l'utiliser malheureusement. Mais enfin voilà, il faut. Là encore une fois, il faut vraiment. Il faut vraiment trouver le produit qui convient. Là, j'en ai pris un de la marque Oumani, je sais pas comment ça se dit. J'avais vu des bons avis dessus, comme quoi ça fonctionnait justement assez bien par rapport au même problème que j'avais eu. Donc là, on est aussi, bien sûr sur du Made in France. Vegan, sans huile essentielle, sans microplastique. Et c'est à l'argile verte purifiante, c'est l'extrait de menthe régulateur.
Moi, j'ai pris le shampoing détox. Il se présente comme ça. Donc là, ouais, cette fois-ci, avant d'acheter un nouveau shampoing solide, je me suis un peu renseignée sur les avis de chaque shampoing. Il y avait celui-ci qui ressortait bien. Après, celui-ci est un peu cher. Plus cher que les autres shampoings solides. Mais apparemment, il est quand même plutôt... Enfin, ça les vaut apparemment au niveau du prix. Et j'avais vu une autre marque. Bon, c'était pas sur le site Cocori Cosmétiques. C'était la marque Pachamamé, je crois, qui apparemment aussi de bons avis, donc je testerai peut-être plus tard, sauf si celui-ci me convient vraiment. Donc voilà. J'ai eu un petit échantillon de parfum, de cadeau. Je vais sentir. Il sent bon, c'est pas le type de parfum que je préfère, mais il sent plutôt bon. C'est Noir Daily. Alors du coup, ils ont glissé une petite carte. Donc moi j'aime bien ce qu'en fait ils nous tutoient sur leur communication. Donc ils ont glissé un petit cadeau. On te joint aussi un petit cadeau parce que c'est cool les cadeaux. Des autocollants à mettre sur tes produits de salle de bain pour suivre leur durée de vie. Et effectivement, du coup, j'ai une petite planche d'autocollants. Et c'est plutôt pas mal ce qu'on peut mettre quand est-ce qu'on a ouvert le produit. C'est une super idée, j'avais jamais vu ça. J'ai jamais pensé non plus à noter ça. Ouais, franchement, nickel. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai fait découvrir ou pas une entreprise et des marques éthiques et bonnes pour notre santé. N'hésitez pas à faire un tour sur le site, franchement il est génial. Il est vraiment top. Et voilà, donc j'ai hâte de tester tout ça, de vous faire un retour rapidement.